Yeah. Yee-hoo-hoo. Oh yeah. Yeah. Yeah, man. Nice job. Yeah, man. Good job. On a fait une journée à Marmot Basin. Bien aimé. Ouais, mais quelque tôt. À Elfin Lake. C'était beau, Elfin Lake. Ouais. On a eu bien du fun. Car... Quelques vidéos, quelques photos. Matin, de retour de Elfin Lake. Ouais, c'est parti 4 jours. C'était comment? 3 jours et demi, c'était cool. C'était cool, dans un refuge. Dernière nuit, il y avait beaucoup de monde. Du monde couchait par terre, partout. Mm. Puis là, ben, comme la tradition le veut, on s'est gardé un sac de chips dans le char. Et nous allons entamer. Et nous allons entamer. Persuader que nous allons terminer. Et une photo à Squamish. Après un bon petit déjeuner, de bière, jusqu'à Squamish. On va s'amuser avec ça. Whistler, on est un petit peu déçus. Vraiment, zéro neige. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais c'est beau, mais conditions misérables. Ouais, vraiment pas des belles conditions. Mm. Mais comparé à ce que j'ai déjà vu dans le passé, là, fait que c'était un peu décevant. Ça semble au Québec, à vrai dire, Bromont, une soirée glacée là, où il fait à peu près moins 30. Ouais, quand même, peut-être pas Bromont. Là, mais moi, j'ai... Ouais, c'est quand même un world-class resort. Mais par contre, on a fait pas mal de magasinage là-bas. Ouais. Hein? J'ai fait preuve d'une bonne dose de patience. Là. Je pense qu'on a fait à peu près une quinzaine de boutiques. Une quinzaine de boutiques. Là, puis on a pas tout remplacé. À peu près 1700 mètres d'altitude. On a monté à peu près presque 800 mètres. On est à côté de Power King. En fait, Power King est derrière moi là-bas. On a monté par la route. Puis on s'en fait une petite ride là, dans le backcountry du coin. Montagnes sont assez différentes quand même.
Ici, il y a à peu près 350 cm de base. Ça paraît. Smithers, Babine Park. Là où on s'est pris un petit refuge de BC Parks. Vraiment beau. Comme dans le creux d'une vallée, avec des très belles montagnes.